Salut, c'est Xandor. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du comics Spider-Man Blue. Alors ce comics a été écrit par Jeff Loeb et dessiné par Tim Sale. Il date de entre 2002 et 2003. Alors il s'agit en fait d'une réinterprétation par Jeff Loeb et Tim Sale du moment où Peter Parker, alias Spider-Man, et Gwen Stacy sont tombés amoureux. Gwen Stacy, qu'on a pu apercevoir dans le film Spider-Man 3 de Sam Raimi, mais surtout dans la duologie Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man et Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy. Et plus récemment, dans les films d'animation Spider-Verse, où c'est une autre version de Gwen Stacy, en Spider-Gwen, on peut voir le personnage de Gwen Stacy. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. En fait, il s'agit de Peter Parker qui fait un enregistrement audio, il s'adresse à une Gwen Stacy qui est déjà décédée. Je pourrais pas vous dire quand ça se situe au moment présent, mais je pense que ça se situe au moment où Peter Parker était marié à Mary Jane Watson. En tout cas, ils étaient en couple les deux. Quand Peter Parker s'adresse à Gwen Stacy, il se remémore des flashbacks de sa vie passée. Et ce qui est fort, c'est que, en fait, les flashbacks, ça se situe au moment où John Romita Sr. a succédé à Steve Ditko au dessin pour Spider-Man, entre l'année 1966 et ça, la fin de ce récit, ça finit en 1967, à peu près. Et donc pas en 1973, qui lui est la mort de Gwen Stacy. Alors dans cette édition, il s'agit de la deuxième édition française, car il y a un ajout en plus. Il s'agit du point de vue de Mary Jane Watson. Et ça, c'est le truc en plus. Et tout le récit, ça se situe là. Tout le reste du récit, c'est là. Alors ce récit, il s'agit d'une première pour moi, je l'avais jamais lu, et c'est une bonne découverte. Je sais qu'il a été réédité récemment dans le printemps des comics. Pas réussi à le choper, mais j'ai aussi à me procurer ce bouquin d'occasion au marché des Martois à Orléans. Et je suis bien content d'avoir acheté ça. Alors je sais que certains dessins n'apprécient pas trop Tim Sale par rapport à cet aspect un peu cartoonesque. Notamment par rapport au Superman All Four Seasons, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et pour ce qui est de Spider-Man, je trouve que ça colle très bien au personnage. Bon, bien sûr, c'est pas. C'est différent de Mark Bagley, notamment pour Ultimate Spider-Man, ou de John Romita Jr. Mais je trouve que ça colle très bien au personnage. Et quand je dis qu'il s'agit d'une réinterprétation, c'est qu'en fait, à certains passages dans les intégrales Spider-Man, certains ajouts en plus, notamment le personnage de Kraven. Il était dans l'ombre depuis le début. Mais il y a aussi un truc que je trouve étrange, c'est qu'après avoir lu ça, il y avait des trucs qui me semblaient bizarres. Alors je me suis replongé un petit peu dans le comics intégral 1967, et là je me suis rendu compte qu'il y a certains passages dans Spider-Man Blue qui collaient pas vraiment avec ça. C'est-à-dire que, en fait, le personnage de Kraven, qu'on voit dans dans Spider-Man Blue, eh ben, cette histoire-là, elle a été reportée ici, en fait. En fait, c'est pas dans le bon ordre. Je trouvais ça un peu bizarre. Et il y a une scène que je ne rappelle pas avoir vu cette scène. Oh, c'est grâce à Spider-Man. Je vais s'en regarder par vous-même. C'est assez étrange, moi-même. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est là que c'est fort. C'est qu'en fait, c'est un souvenir de Peter Parker de ses aventures. Nous, on sait ce qui s'est passé dans les intégrales, et ça, c'est la version de Peter Parker. Donc, c'est possible qu'il y déforme certains trucs par rapport à sa vision qu'il a, lui. C'est là que c'est fort, parce que j'avais besoin de dire sur Spider-Man Blue. Alors pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, en ce moment je prépare deux grosses vidéos. Une sur l'intégralité du Superman New 52. Je suis en train de faire du montage là. Et je fais également une vidéo sur les comics Knights of the Old Republic. Alors ces deux vidéos sont en préparation, et c'est un peu long à faire le montage, les voix-off, tout ça. Donc en attendant, je suis permis de faire cette petite vidéo sur Spider-Man Blue. Il s'agit en fait d'une de mes lectures de vacances, fallait que je vous en parle. Voilà, bon. Salut. J'ai été mordu. Moi aussi. Ok. Laisse tomber.